L'association Je porte un casque a été créée en décembre 2008. Donc j'ai décidé de créer cette association car je me suis aperçu qu'au niveau de la prévention sur le port du casque, il n'existait pas grand-chose. Ensuite, à titre privé, je suis devenu papa. Je me suis également occupé de personnes handicapées et je faisais du vélo aussi sans casque. Et ce cumul de choses a vraiment fait que je me suis dit qu'il fallait que je porte absolument un casque quand je fais du vélo car je n'avais pas le droit d'avoir un accident au niveau de ma tête. Donc j'ai décidé de créer cette association pour passer un message. Voilà, pas pour mener un combat qui est le port du casque obligatoire, mais tout simplement pour passer un message. Dire qu'avec un casque aujourd'hui, on peut sauver des vies. On peut se sauver de situations qui sont complètement folles, de situations complètement misérables pour des familles. Donc en fait, il y a un message tout simple à faire passer, à éduquer nos enfants en disant voilà, aujourd'hui, on vous achète des vélos, vous avez du matériel, vous avez pas mal de choses qui font que vous pouvez vous éclater, mais surtout pas votre tête, parce que votre tête elle est importante, et qu'aujourd'hui un objet qui coûte 30-40 euros, vous avez la possibilité de le mettre sur votre tête, et il est fun, ils sont aérés, il y a pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui on n'a plus d'excuses de ne pas porter un casque, et encore une fois de se retrouver peut-être dans une situation qui est très 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 mauvaise pour sa santé. Alors en fait l'idée c'est quoi? C'est de passer un message que quel que soit le sport en fait on peut mettre un casque. Aujourd'hui qu'on fasse du BMX, du vélo de route, du VTT, de la descente, tous les sports aujourd'hui ont un casque en fait. Voilà, chaque sport a son propre casque avec son design, son aération, ses couleurs. Et aujourd'hui quel que soit le sport qu'on pratique, même le ski par exemple, le canoë, le canyoning, on trouve un casque. On n'a plus cette excuse de nos arrière-grands-parents qui avaient des boudins où il faisait chaud, ça serrait, on n'avait pas envie de le mettre, il y avait des lanières qui nous pendaient carrément. Aujourd'hui, quel que soit le sport, il suffit de voir les jeunes aujourd'hui sur le terrain, c'est qu'on peut mettre un casque et que c'est un casque aujourd'hui, ça devient un objet complètement ludique, comme les genouillères, comme les coudières ou comme toute l'esthétique qu'on peut y mettre sur son vélo. Donc sur le site internet Je porte un casque, vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur tout ce qu'on vous a dit là, comment porter un casque et autres. Vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook Je porte un casque et partager toutes vos aventures sur le port du casque, nous présenter vos casques, pourquoi pas vos créations et surtout vos témoignages et apporter un soutien à la cause que nous menons. Donc encore une fois, le port du casque et la prévention du port du casque. Voilà, merci.